Bienvenue dans le 16e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, nous retrouverons en seconde partie l'interview de Xavier Paulès, historien, spécialiste des jeux en Chine et maître de conférence à l'EHESS. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, nous annonçons l'ouverture du 9e appel à projet du GIS, Jeux et Société. Comme les années précédentes, cette édition est ouverte aux sujets scientifiques, en lien avec le jeu et ses enjeux sociétaux. Toutes les modalités de participation sont disponibles sur notre plateforme Ludocorpus, et les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 15 décembre 2022. Toujours à propos de notre groupement d'intérêt scientifique Jeux et Société, il vous est possible de retrouver le replay en vidéo de notre colloque Rencontre autour du jeu qui s'est déroulé les 7 et 8 octobre dernier. Une occasion de voir ou de revoir les communications et les échanges de la vingtaine de chercheurs et de chercheuses sur le jeu qui nous ont honorés de leur présence et de leur sagacité. Au menu des appels à communication, soulignons tout d'abord la création outre-Atlantique, de la revue Awale. Fondée à Ottawa, Awale se destine à être une publication littéraire, artistique et sonore portant essentiellement sur les jeux, les jouets, les sports traditionnels et les loisirs du monde. Pour la sortie de son tout premier numéro, la question de la migration sera au centre des sujets abordés afin d'interroger la création, la production, la circulation, les transformations et le devenir des jeux et des jouets traditionnels et de certaines pratiques ludiques contemporaines. La revue dont l'initiative repose sur des chercheurs des universités d'Ottawa, de Sherbrooke, de Rennes et de Montpellier sera édité en français et en anglais. Un appel à contribution est lancé et les articles sont attendus jusqu'au 7 décembre 2022. Autre revue basée au Canada et plus particulièrement au Québec, Kinéphanos. La publication de ce numéro spécial sera co-dirigée par Erwan Davisseau et Dave Avery, deux anciens artistes de l'industrie du jeu vidéo devenus enseignants en formation universitaire. La thématique de cet opus sera dédié au développement et la réception des environnements vidéoludiques. Le numéro devrait paraître vers la fin de l'année 2023 ou début 2024. Et la date limite pour soumettre votre résumé est le 1er décembre 2022. La deuxième édition des Assises de la Recherche en Culture Populaire et Médiatique, ou CPM 2023, aura lieu à l'Université Paris-Nanterre du 12 au 14 octobre 2023. Son thème, Futur Pop, quels avenirs pour les études en culture populaire et médiatique? Cet événement portera sur les objets d'études liés à la culture populaire médiatique, littérature, bande dessinée, culture de jeunesse, ou encore presse, cinéma, télévision, jeux vidéo, jeux de rôle et autres productions transmédiatiques. Il est destiné aussi bien aux jeunes chercheurs et chercheuses qu'à leurs collègues plus confirmés. Les propositions de communication peuvent être envoyées jusqu'au 1er décembre 2022. La CEDAP a réalisé durant l'année 2020 une étude qualitative semi-directive auprès de 46 parieurs sportifs. Cette recherche était destinée à brosser une typologie des parieurs et mieux comprendre leur motivation à parier. Les résultats présentés dans la dernière publication Zoom de la CEDAP déclinent ces trois profils selon leur degré d'initiation au pari, leurs pratiques actuelles ou encore les impacts de la publicité et leurs stratégies d'autolimitation. Retrouvez la publication sur le site Ludocorpus. Le séminaire en ligne consacré à l'étude des plateformes, intitulé Input, Poke and Save, lancé par Yannick Rocha et Pierre-Yves Hurel en 2021, débutera à l'automne sa troisième saison. La nouvelle équipe aux manettes est composée notamment de Charlotte Courtois, Guillaume Guéna et Fabienne Rose. Gratuitement accessible, le séminaire se veut ouvert au public et occupera plusieurs jeudis après-midi afin d'approfondir les réflexions autour des plateformes de jeu et aussi de la multiplicité de leurs dimensions.
La première session se déroulera le 27 octobre 2022 à 15h. Et Leslie Astier y présentera son travail de recherche sur la plateforme Bitzy. Mener une étude internationale sur les jeux et le bien-être auprès des joueurs de différentes régions culturelles de la planète, c'est le projet lancé par le docteur Jeffrey Snodgrass, professeur d'anthropologie à la Colorado State University, ou CSU. Cette enquête, menée en collaboration notamment avec des équipes françaises et suisses, est destinée à interroger les expériences et les pratiques d'activités ludiques, solitaires ou en groupe, organisées ou semi-organisées. Pour celles et ceux qui souhaitent participer, vous pouvez retrouver le lien vers le questionnaire sur notre site Ludocorpus. Le Liège Game Lab organise un partenariat avec la Haute École de la Ville de Liège, deux formations courtes consacrées aux jeux et aux jeux vidéo. La première est un certificat en ludopédagogie, destiné aux professionnels de l'enseignement qui s'intéressent aux jeux. Et le second, un certificat intitulé « Travailler avec la culture vidéoludique », destiné quant à lui aux professionnels du secteur socioculturel qui souhaiteraient utiliser le jeu vidéo dans le cadre de leur métier. Les deux formations auront lieu de janvier à juin 2023 à Liège et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 décembre. À suivre, ne manquez pas pour la seconde partie de l'émission l'interview de Xavier Paulès qui nous parlera du Fantan, un jeu traditionnel chinois. Cliquez sur la zone dédiée ou dans la description pour y accéder.